Avertissement. En raison de la crise de la COVID-19 et des mesures de confinement y répondant, ce podcast a été enregistré à distance avec, malheureusement, des aléas de réseau altérant quelquefois la qualité de l'enregistrement par de brèves coupures micro, source d'inconfort d'écoute. Nous vous prions de nous en excuser et nous vous souhaitons un bon podcast. C'était il y a un an ou presque, nos esprits s'échauffaient autant que nos cartes bleues à l'idée d'avoir enfin à notre disposition Disney+, le service de SVOD de la Walt Disney Company. Un an après le lancement, quel bilan faut-il tirer ? Les fans que nous sommes sont-ils satisfaits du produit final ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast. Eh bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était vous. On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici les Muppet Show. Et maintenant, je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert. Précédemment dans Desperate Housewives. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. C'est comme ça qu'il s'appelle. Henry Jones Jr. Moi, j'aime Indiana. J'ai une armée. Nous, on a un... I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mouse. On chante, on danse, on tchache, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le podcast. Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous chers auditeurs et auditrices. Ici Nathan Darmon, votre nouveau présentateur de ce podcast, où l'on va parler de ce service que l'on utilise quasi tous les jours pour la plupart d'entre nous, j'ai nommé Disney+. Avec moi pour établir ce premier bilan, trois chroniqueurs talentueux de notre cher site web chroniquedisney.fr. En premier, nous avons Franck Armand Zuniga, créateur du site et principal analyste des productions Disney de la plateforme. Salut à toi Franck. Bonjour Nathan. Avec nous aussi David Scordia et sa connaissance sans limite sur la société The Walt Disney Company. Salut à toi David. Salut. Et enfin, notre cher chroniqueur irlandais fan numéro 1 de Disneyland Paris, Geoffrey El Islami. Salut Geoffrey. Bonjour, bonjour. Alors Geoffrey, justement, c'est ton premier podcast. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît ? Bah oui, bien sûr. Moi, je suis donc du coup chez Chronique Disney depuis 5 ans maintenant et je suis rédacteur en chef de la section Disneyland Paris, donc tout ce qui va sur le site et qui relate du resort français, ça passe par moi. J'ai des chroniqueurs avec moi qui écrivent des chroniques et ensuite elles sont balancées sur le site pour nourrir la section et on va ouvrir une nouvelle section d'ailleurs cette année sur les parcs étrangers. Super. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, toi aussi tu es nouveau Nathan. Oui, c'est vrai, donc je vais me présenter. Moi je suis Nathan, je suis le nouveau rédacteur en chef des podcasts chez Chronique Disney. Je suis grand fan depuis tout gamin, j'ai grandi et j'ai continué à apprécier les œuvres de The Walt Disney Company avec toujours autant de plaisir. Et aujourd'hui, je suis heureux d'en parler directement avec vous. Donc l'équipe est là, elle est prête à tout vous dire sur Disney+. On démarre sans plus attendre notre podcast. You've taken your first step into a larger world. Ready for this? We'll all be together at long last. We are all connected. Et on commence justement avec une petite remise en contexte. Nous sommes en août 2017 et The Walt Disney Company finalise son rachat d'une société un peu particulière nommée BAMTech. Cette société spécialisée dans le sport et le streaming va alors servir pour la plateforme sportive à venir, baptisée ESPN+, mais aussi pour un petit projet que Bob Iger a en tête et qui s'intitule Disney+. Mais Disney+ n'est pas le seul atout que le PDG a dans ses mains. Franck, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Pour construire Disney+, Bob Iger est persuadé qu'il a besoin de contenu. Il sait très bien que la Walt Disney Company est très forte en contenu grâce à ses marques fortes que sont Disney, Marvel, Lucasfilm avec Star Wars. Mais il pense qu'il a besoin de se renforcer. Et là, il va entamer en fait une acquisition, la plus grande acquisition de l'histoire de la compagnie, qui est celle de 21st Century Fox. On est d'accord, David? Je le tout à fait, bien. C'est ça. Et dans le but de récupérer en fait
les studios de la 20th Century Fox, ainsi que tout ce qui est leur studio de télévision, des chaînes comme FX, ou alors la marque National Geographic. Ça avait été annoncé en novembre 2017 de mémoire. Enfin, en tout cas, les rumeurs dataient cette époque-là. Je ne me rappelle plus du jour précis où Disney avait annoncé leur intention de le racheter, mais le rachat lui-même a été effectué le 20 mars 2019. D'accord, donc quelques mois à peine avant le lancement officiel de Disney+. C'est ça. D'ailleurs, ce qui était assez amusant, c'est que dès qu'ils ont commencé à communiquer sur Disney+, un peu avant que ce rachat soit finalisé, du coup, ils avaient quand même ajouté la marque National Geographic avec une petite note en petit qui disait « sous réserve que le rachat se fasse bien », quelque chose comme, enfin, oui, quelque chose comme ça. Le fait est que ça s'est fait sans trop de problèmes. Et finalement, donc Disney Plus ouvre aux États-Unis le 12 novembre 2019 et très vite, ça devient un gros succès, en tout cas aux États-Unis, assez fulgurant. 10 millions le premier jour, hein, je crois. Hein, 10 millions, de mémoire. Ouais. Tout à fait. Sachant que, pour les mauvaises langues qui peuvent nous entendre, quand Disney communique le nombre de ses abonnés, ce sont toujours des abonnés payants, ils ne tiennent jamais compte de ceux qui sont abonnés par défaut. Via des abonnements, par exemple, à Verizon, qui est un équivalent de Canal+, pour nous, par exemple. On parle bien des personnes qui payent leur abonnement à Disney+. Est-ce que, justement, David, est-ce que tu peux revenir plus en détail pour nous sur ce lancement ? Une information qui n'est pas liée au jour du lancement lui-même, et donc on n'a pas parlé, c'est que Disney, en rachetant 21st Century Fox, s'est aussi retrouvé propriétaire d'autres plateformes de streaming. Il y en a une que les gens commencent à connaître un petit peu, même si elle n'arrive pas en France, c'est Hulu. Disney en possédait déjà une trentaine de pourcents. Et avec le rachat de 21st Century Fox, ils ont récupéré la trentaine de pourcents que eux possédaient. Tout ça fait qu'ils en sont à plus de 60 et ils ont aussi récupéré une petite part que possédait Warner Bros. Donc du coup, ce qui fait qu'ils sont majoritaires avec Comcast possédant le reste. Et du coup, Disney est aux commandes. Et l'autre qui m'intéresse un peu plus pour Disney+, c'est Hotstar, qui est une plateforme indienne qui fait partie du groupe Star, et vous voyez déjà où je veux en venir, qui est donc un ensemble de médias, télévision et Internet en Inde, très connu en Asie. Et donc du coup, en possédant Hotstar, ils ont vite fait de le renommer ensuite Disney+ Hotstar, et la plateforme indienne est donc en réalité la plateforme initiale qui s'appelait Hotstar, dans laquelle ils ont ajouté les contenus Disney+, en renommant le tout Disney+ Hotstar. Et c'est cette plateforme et son succès qui va inspirer fortement le lancement de Star sur le Disney Plus international qui nous concerne, nous, Français. Et sur lequel on reviendra tout à l'heure. Du coup, on parlait des 10 millions d'abonnés qui se sont inscrits dès le premier jour, dès ce 12 novembre 2019 aux États-Unis. Comment le service a-t-il été reçu, justement, après son lancement ? Je pense que le service a été plutôt bien reçu parce qu'il avait déjà une locomotive énorme qui était le Mandalorian, et qui a été salué par tout le monde grâce à, notamment à l'idée de génie qui était ce fameux Baby Yoda. Je suis déçu que tu l'aies appelé comme ça. Tout le monde l'appelait comme ça, mais peut-être. Oui, d'accord. Mais j'étais pas prêt à ce que. Mais peut-être après... certains n'ont pas vu la saison 2, donc on va pas les spoiler. C'est pas juste après à ce que Franck Armand Zuniga dise Baby Yoda, c'était juste quelque chose. Michel. L'enfant, si tu préfères. Oui, voilà. Après, la plateforme était exactement ce qu'attendaient les gens, en tout cas les premiers abonnés, c'est-à-dire un endroit où on pouvait avoir tout Disney, enfin c'était la promesse, tout Disney au même endroit, et Disney, Marvel et Star Wars. Et en cela, ils ont été ravis, surtout que en plus du Mandalorian, il y avait quelques programmes originaux, dont Imagineering, qui a bien plu, et ainsi que quelques films. Donc, il a plutôt été bien accueilli sur le moment. Après, il va falloir, comme toute plateforme, il faut la faire vivre, et donc mettre du contenu tout le temps. Et c'est là où Disney va avoir un peu de mal, en fait, à sa première année, dans l'inconscient des gens, en fait, parce que Disney+, c'est pas Netflix. Netflix, ils mettent des mises à jour quasiment toutes les semaines avec des nouveautés qui binge. Je ne sais pas le dire. Binge watch. Voilà, qui binge watch. Ils balancent tous les épisodes d'une série, d'une saison en même temps, alors que Disney+ va le faire de façon très hebdomadaire, incrémentale. Voilà, très télévision linéaire avec un épisode toutes les semaines. Alors.
Personnellement, moi, je préfère parce que je trouve que ça permet que la durée de vie d'une série au niveau réseaux sociaux soit plus longue, en fait. On attend le prochain épisode pour savoir ce qui se passe et tout ça. Et donc, au lieu de qu'on parle d'une série sur allez une semaine, c'est étalé sur le nombre de le temps de diffusion. Puis moi aussi, je préfère parce que personnellement, ça me permet de les suivre parce que honnêtement, les séries qu'il faut binge-watcher, bah, du coup, ça me décourage un peu quand il y a trop d'épisodes à regarder d'un seul coup. Et je remets ça souvent au lendemain. Alors que quand on me dit le vendredi, bon, bah voilà, il y a un nouvel épisode de The Mandalorian, bon, bah je le regarde, ça dure 30 minutes, bon, c'est pas énormément de temps. Donc j'arrive du coup à caser ça toujours chaque semaine. Donc c'est, moi, je trouve que c'est plutôt agréable comme ça. Un truc aussi sur la perception des gens, quand même, qui était très positive, c'est le jour où Disney Plus avait balancé tout son catalogue sur les réseaux sociaux, si vous vous souvenez, ou sur Twitter, ils avaient fait un tweet par contenu et ils avaient fait une vidéo sur YouTube qui durait, je sais plus, 4 heures, un truc comme ça un peu improbable. Et du coup, les gens avaient quand même été impressionnés par la quantité d'œuvres présentes. Et pourtant, on ne parle là que de Disney+ à l'époque où il n'y a que des contenus familiaux. Bien, malgré cela, il y a quand même une très très grande quantité de contenu. Et je pense que malgré ce que les gens disent, quand ils disent qu'il n'y a pas suffisamment de contenu sur Disney+, où on a déjà fait le tour, où on a déjà tout en DVD, etc. C'est vraiment pas vrai. Et puis déjà, tout le monde n'a pas tout en DVD. La simple présence de la plus de cinquantaine de grands classiques Disney, de tous les Pixar, justifie déjà à elle toute seule l'abonnement pour la majorité des familles, j'en suis quasiment persuadé. Mais je suis persuadé qu'un des atouts de Disney+, et je pense que tout le monde ne l'avouera pas d'ailleurs, c'est le catalogue de Disney Channel. Disney+ a fonctionné auprès de tout un public parce que c'était quelque part une Madeleine de Proust, un côté nostalgique de retrouver son enfance, et toutes les séries style Zack et Cody, Hannah Montana, Raven ou Lizzie McGuire ont plu parce que justement ils ont pu revoir ce qu'ils aimaient dans leur enfance. Et alors ça c'est plutôt pour les millennials, mais c'était aussi la même chose pour ceux nés dans les années 90 avec toutes les séries animées style la bande à Picsou, Super Baloo ou la Badingo qui étaient dans le Disney Club. Donc ce sont pas pour certains, c'est pas des produits nobles, mais je suis sûr que ça a été des produits d'appel pour. Ah ben moi, j'étais ravi d'avoir ça pour les séries animées, surtout que là, pour le coup, ce sont des choses qu'il était impossible de revoir correctement en intégralité, en bonne qualité. Je ne parle même pas de légalement. Alors là, c'était impossible, puisque à part quelques VHS pour certaines des séries et des éditions DVD avec 2-3 épisodes par disque. Par-ci, par-là, c'était impossible de voir ces séries correctement. Et même encore aujourd'hui, on peut le voir sur celles qui n'ont pas encore été ajoutées. Typiquement, la série Aladdin, elle est quand même très, très demandée à chaque fois. Elle va arriver un jour ou l'autre, hein, on n'en doute pas une minute. Mais la preuve que des gens ont envie de voir cette série, par exemple. Ça joue sur la corde nostalgique, en fait, des gens qui peuvent, qui retrouvent comme ça, en fait, un plaisir de leur enfance. C'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est une Madeleine de Proust, en fait. Je parle dans mon cas, mais un des premiers programmes que j'ai démarré sur Disney+, sans forcément avoir l'envie de le revoir ou de binge-watcher, j'ai revu un épisode de Phénomène Raven que j'avais en mémoire et dont je n'avais plus de visionnage depuis au moins une dizaine d'années. Et c'est vrai que c'était juste, entre guillemets, pour la beauté de la chose de me dire que c'est de nouveau accessible et c'est de nouveau à disposition pour celui qui a envie de le regarder, quoi. C'est un simple clic sur la télécommande. Juste pour revenir sur le lancement de Disney+ aux US, je pense qu'ils s'attendaient pas à un tel succès dès le début. Je me rappelle qu'il y avait eu une vague sur Twitter de Disney+ fail parce qu'il y avait des problèmes de connexion, des gens qui arrivaient pas à se connecter tout simplement à la plateforme. C'est clair que 10 millions d'abonnés dès le premier jour, je pense pas qu'ils s'attendaient à un tel succès dès le début, quoi. Non, d'ailleurs, ça correspond pas du tout aux projections qu'ils faisaient, puisqu'ils espéraient en avoir. Alors, je sais plus exactement, Franck, il faudrait peut-être que tu as les chiffres, mais je me rappelle qu'ils voulaient, je sais pas, une vingtaine de millions d'abonnés sur un an, quelque chose comme ça. Ils attendaient à 94 millions sur 5 ans. Ils l'ont fait en même pas un an. Oui, c'est ça, puisque là, on doit être sûrement à 100 millions, puisqu'on était à 94 millions il y a 2 semaines. On était au 2 janvier, avant le lancement de WandaVision. Oui, voilà, donc là, on doit déjà avoir dépassé les 100 millions. Et la prochaine fois qu'ils vont communiquer, le lancement de Star aura donc déjà eu lieu, puisqu'il a lieu le 23 février.
Et il y aura aussi d'autres pays qui vont avoir Disney+, puisqu'il y a, je ne sais pas, peut-être une centaine de pays qui n'ont pas encore la plateforme de disponible, alors que Netflix est disponible dans l'intégralité, sur l'intégralité du globe, à part deux, trois pays. Sauf la Chine, ouais. Oui, la Chine, et puis ensuite, je crois que c'est la Syrie, la Corée du Nord, mais bon, globalement, elle est disponible partout, ce qui n'est pas du tout le cas de Disney+. Et alors, justement, est-ce que au lancement aux US, est-ce que le catalogue était à la hauteur des attentes, de manière générale, du public qui s'était abonné ? Oui, je pense, puisqu'il y avait tous les classiques Disney. Bon, il manque juste la boîte à musique, mais on imagine qu'il doit y avoir un cas un peu compliqué avec ce film-là, mais personne ne le connaît, les gens n'ont pas relevé. Après, il y a le cas Mélodie du Sud aussi, bon, on sait bien pourquoi. Sinon, en film live, je crois que quasiment tous les films live depuis les années 90 y sont, et il manque peut-être la moitié des films live des années précédentes qu'on imagine arriver au fur et à mesure. Mais au moment du lancement, c'était déjà incroyable d'avoir autant de films. Et en série, comme l'a dit Franck, les séries, ça démarre globalement dans les années 90, à part deux, trois exceptions comme Zorro, qui d'ailleurs n'y est pas encore. Voilà, mais sinon, enfin, la majorité est là, en fait. Les manquements qu'il peut y avoir, ce sont dans des films qui sont des films qui ne visent pas la famille. Oh, il manque quand même pas mal de films avant 1980, quoi. Oui, c'est ce que je disais, en fait. Je pense qu'il y en a la moitié, en gros, qui manque encore, surtout ce qui date d'avant les années 90 en film live. Mais le jour du lancement, c'était déjà beaucoup de films d'un seul coup. Après, l'autre manquement qu'il peut y avoir, bien entendu, ce sont des films 20th Century Studios, familiaux, et ça, ils les ont plutôt rajoutés semaine après semaine. En fait, les films qui débarquent toutes les semaines, ce sont souvent des films 20th Century Studios. Mais justement, et c'est ce qui peut être reproché un peu au catalogue américain, on parlera du catalogue français plus tard, mais catalogue américain, c'est plutôt des choses récentes qu'ils mettent, enfin ils mettent pas assez de la période de Walt Disney, je trouve. Que ça soit des cartoons, ils pourraient en mettre beaucoup plus. Les films live, il y en a très très peu. Le dernier, c'était la baie aux émeraudes, et c'était quoi encore 6 mois après le lancement, et depuis, il n'y a plus rien eu. Et les émissions d'anthologie aussi, où, qui mettent au compte-gouttes, et encore, il n'y en a plus depuis 8 mois. Donc, je trouve qu'ils sont un peu timorés sur le vrai patrimoine du temps de Walt. Et ça, c'est un peu dommage. Et c'est vrai que quand ils avaient lancé Disney+, du coup, puisqu'on était sur l'époque du lancement, ça ne m'avait pas choqué qu'il n'y ait pas tous les films live, parce que je me disais, bon, bah, toutes les semaines, ils vont en rajouter de toute façon. Mais bon, c'est vrai qu'en film live des années 50 aux années 80, il n'y a quand même pas grand-chose qui est arrivé depuis. Alors après, je m'étais dit, peut-être que c'est pour les 1 an, faire une grosse annonce et bam, on vous balance 60 films, par exemple, le même jour. Mais ça n'est toujours pas arrivé non plus, ce type de choses. Donc, c'est vrai qu'on peut se demander quelle est un peu la stratégie, parce que si on va à ce rythme-là, pour avoir tous les films live Walt Disney Pictures, il va falloir attendre plus d'un siècle. Après, il y a Bob Iger qui a dit il y aura tout Disney, et puis un an après, il a dit tout n'est pas censé arriver sur Disney+. Donc la question est de savoir pourquoi. Parce que comme en ce moment, ils mettent plein d'avertissements, même sur des films qu'on n'aurait pas cru, style 4 bassé pour un Danois, on se dit, est-ce que d'autres films posent plus de soucis et qui les gênent à intégrer sur Disney+. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité aussi, c'est qu'ils ne sont pas restaurés et qu'ils sont vraiment trop moches pour pouvoir les mettre sur une plateforme. Je ne sais pas. Bon, ce serait étonnant parce qu'ils ont quand même mis des films très improbables, hein, sur Disney+, hein, qui sont sortis uniquement en DVD aux États-Unis et du coup qui se sont retrouvés disponibles en HD pour la première fois. Je ne sais pas, Mes Amis les Ours, des trucs comme ça. Et c'est quand même là, tu vois, donc bon. Tu me diras, tu as même The Mouseketeers at Walt Disney World avec les pubs de télévision de l'époque. C'est ce qui est marrant. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que ça m'étonnerait en fait que ce soit ça la raison, parce que parmi les films manquants en film live, il y en a quand même, à mon avis, je ne sais pas, Les Enfants du Capitaine Grant, il n'y est pas. Ça m'étonnerait quand même que ce soit un film qui n'est pas disponible là en bonne qualité, quoi. Alors qu'ils auraient Mes Amis les Ours, mais pas Les Enfants du Capitaine Grant, ce serait étonnant. Oui, surtout qu'il est sorti en Blu-ray, les enfants bon, du Capitaine Grant. Bon, bah voilà, problème résolu, donc du coup, donc c'est vraiment pas ça le problème, je pense, hein, en tout cas pour ce film. Ou alors, c'est que c'est ces films de patrimoine ne marchent pas et ils préfèrent mettre autre chose, peut-être. Ah oui, mais bon, Mes Amis les Ours. Il y a un public. Mes Amis les Ours, ils l'ont mis au lancement. Oui, mais pourquoi ils n'ont pas mis Les Enfants du Capitaine Grant au lancement? Tant qu'à je sais pas. Ils avaient qu'à balancer dans ce cas-là tous les films live et puis qu'on n'en parle plus. C'est juste que là, c'est bizarre. Ils ont mis des films, ils en ont mis la moitié, mais pas forcément la moitié la plus évidente. C'est-à-dire que parmi la moitié qu'ils ont mis, il y a des trucs vraiment très, très obscurs.
que j'ai même découvert moi-même. Hein. Pourtant, je pense me vanter d'avoir vu beaucoup, beaucoup de Disney, mais j'ai quand même encore découvert une dizaine de films que j'avais pas encore vus parce que ça ne faisait pas partie des films les plus. Ce sont des films qui n'étaient pas sortis en France ou voilà. Donc c'est un peu comme choix parfois. Donc on peut dire que bon, le catalogue était à la hauteur, même s'il y avait quelques manquements. On peut parler quand même d'un lancement américain plutôt positif et réussi, qui a annoncé une deuxième frappe européenne cette fois-ci, mais du même niveau. Et comme on va le voir, tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Très bien les amis, on reprend tout du début. Regarde. C'est incroyable. Un petit tour de piste. Bah, disons, tout s'est bien passé comme prévu, sauf pour la France. Le lancement pour l'Europe, enfin l'Europe de l'Ouest, était prévu le 24 mars 2020. Sauf que, entre-temps, la quasi-totalité des pays européens se sont trouvés confinés à cause du Covid. Et en France, Orange, mais pas que, ont eu peur que le lancement de Disney+ sature les réseaux Internet, alors que tout le monde était en télétravail et confiné chez eux. Donc, ils ont demandé à Disney de décaler la sortie de Disney+, ce qu'ils ont accepté. Et donc, Disney+ a été lancé 2 semaines plus tard, le 7 avril 2020. Et alors, justement, est-ce que on peut vraiment parler de frayeur de la part des opérateurs, ou est-ce que c'est pas finalement une forme de punition? Bon, déjà pour les fans, parce que bon, 2 semaines de plus, c'était quand même long, mais aussi pour Disney+, qui avait signé son contrat d'exclusivité avec un seul opérateur, à savoir le groupe Canal+. Je pense qu'il y a un peu des deux. Le problème, c'est que Canal+, n'est pas un opérateur. Il ne possède aucune ligne Internet, à la différence d'Orange, d'SFR ou de Free ou de Bouygues. Lui, il n'est juste que diffuseur. Oui, c'est un diffuseur de contenu, quoi. C'est un diffuseur de contenu. Donc, Disney, en France, a offert l'exclusivité des abonnements via Canal. Sinon, après, il y avait possibilité de se connecter via OTT. Et forcément, les autres opérateurs n'ont pas été fatalement très contents. Et je pense que ça a été... Après, ils l'avoueront jamais, mais c'était une façon de se rappeler au bon souvenir de Disney en disant « Je vous rappelle que c'est nous qui avons les tuyaux, donc vous auriez pu voir avec nous. » Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont reproché, c'est que Disney n'était pas venu les voir pour essayer d'optimiser justement le flux des données qu'allait nécessiter la nouvelle plateforme. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y avait vraiment peut-être un problème technique spécifique à la France, même si, après coup, il n'y a pas eu de problème de saturation d'Internet dans les autres pays européens où ils ont été lancés. Alors peut-être qu'on a une spécificité française, je ne suis pas assez calé pour savoir si c'est vrai ou pas, mais je pense aussi, et ça même si ils l'avoueront jamais, il y avait une petite vengeance en fait de leur part vis-à-vis de Disney. Oui. Parce que Canal a quand même payé très cher, si je me souviens bien, c'est 50 millions par an pour l'exclusivité de Disney+, ainsi que Disney Junior, qu'ils avaient déjà, et Disney Channel, dont ils récupéraient l'exclusivité, et qui quittaient donc les box, parce que jusqu'à avril 2020, Disney Channel était disponible en gratuit sur toutes les, enfin sans surcoût supplémentaire sur toutes les abonnements Orange, Free, voilà. Donc maintenant, on est obligé d'avoir un abonnement Canal pour avoir Disney Channel. Mais d'ailleurs, ce contrat d'exclusivité avec Canal+, je trouve aussi que ça fait partie des couacs au-delà même de cette histoire que Franck a bien racontée, c'est que ça a compliqué inutilement les explications pour que les gens comprennent comment avoir Disney+. En fait, dans n'importe quel pays, on a Disney+ directement sur le site, comme on dit, en over the top, en OTT. En France, on peut le faire aussi, en fait, finalement. La France a cette spécificité d'avoir des box, parce qu'il faut comprendre que ça n'existe pas ailleurs. Donc, en fait, quand les gens se plaignent de dire « Mais comment je fais pour avoir Disney+, alors que j'ai une box Free Révolution ?» Voilà, bah, on pourrait lui dire « Mais si tu étais dans un... tu n'aurais pas cette box, donc comment tu ferais ? Tu finirais bien par aller sur le site et te débrouiller autrement. » On a les mêmes chances que les autres pays. Sauf que ces informations-là ont compliqué les choses et en fait ont boosté les habitudes des Français en fait qui ont
ont pris habitude d'avoir cette simplicité au bout de leur télécommande avec leur box et d'avoir vu, y compris du coup Netflix, qui était un peu le maître étalon pour eux, puisque du coup, ils ont Netflix sur ma box, pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir Disney Plus ? Donc ils vont essayer de la chercher. Et encore aujourd'hui, je vois des gens sur Internet qui disent oui, moi, j'ai pas une télé connectée, j'ai une Freebox Révolution, du coup, je suis obligé de regarder Disney Plus sur mon téléphone portable. C'est quand même embêtant de lire ça, puisqu'on a envie de lui dire tout de suite achète-toi une Google Chromecast, oui, c'est un coût, hein, puisque ça va être 40 euros. Tu vas brancher ça sur ta télé et le problème est réglé. Je l'ai offert d'ailleurs à ma sœur pour Noël et elle en est ravie. Oui, voilà, c'est même encore plus simple qu'avant puisque maintenant il existe une Google Chromecast avec une télécommande qui permet d'accéder à tous les contenus directement sur sa télé. Limite, on peut se débarrasser de toutes les boxes, quoi. Si on n'avait pas besoin juste pour avoir Internet, elle ne servirait même plus. C'est un peu hors Disney+, mais dans mon cas personnel, j'ai une Apple TV depuis 2016 et je n'ai plus allumé ma box Internet depuis. Oui, voilà, c'est le même principe. Apple TV est aussi un équivalent de ces systèmes un peu over the top qu'ils voient comme Chromecast ou Amazon Fire TV Stick, qui sont des éléments qu'on peut brancher sur sa télé assez facilement. Voilà, celui qui semble être le plus courant étant Google Chromecast. Mais justement, je pense que Disney France a eu tort de partir avec Canal, surtout que Canal, depuis qu'il a été repris par Bolloré, a une réputation assez négative. Mais en plus, je pense qu'il aurait dû plutôt se diriger vers les box pour que le public français lambda, surtout les parents en fait, qui étaient les premiers destinataires de la plateforme Disney Plus à l'époque, ça va changer avec Star, mais pour leur faciliter l'accès en fait à ce nouvel outil, à ce nouveau service. Donc je pense qu'ils ont eu tort. Hein. Je pense qu'ils ont plus regardé leur portefeuille de ce que leur amenait Canal que plutôt la facilité du service, enfin le service client en fait. Après, encore une fois, c'est un peu hors Disney+. C'était un mauvais coup pour Disney France, mais c'était un bon coup pour Canal en revanche, parce que aujourd'hui, Canal recense la plupart des services de streaming vidéo en France. Oui, mais est-ce qu'ils l'ont pas un peu payé trop cher cette histoire quand même ? Parce que moi, je veux bien que Canal ce soit sympa quand pouvoir proposer un abonnement qui inclut toutes les plateformes. Mais d'un autre côté, c'est tellement simple finalement de s'abonner sans passer par Canal. Enfin, moi, j'ai rien à voir avec Canal et je vois même pas qui vraiment dans ma famille ou dans mon entourage passe par Canal. Et je pense que si l'exclusivité est si bonne que ça, il n'aurait pas autorisé Orange à la vendre 6 mois plus tard, quoi. Parce qu'au début, Orange voulait passer avec Canal, mais c'était bien trop cher, il aurait dû aller voir ailleurs, quoi. Donc si 6 mois plus tard, ils ont finalement dit oui avec Orange et Free, je crois, c'est qu'ils ont dû baisser le prix et se dire finalement, c'était peut-être pas si intéressant que ça, quoi. Oui, sachant qu'en plus, les nouvelles box free fonctionnent maintenant avec le système Android, et donc on peut télécharger Disney Plus dessus. Donc, il n'y a que les personnes qui ont des anciennes Freebox, comme la Freebox Révolution que j'avais citée précisément volontairement. Mais globalement, en quelques années, il n'y a vraiment plus de raison de ne pas avoir Disney Plus sur sa télé. Hein. Il n'y a pas besoin de passer par Canal. Puis qui n'a pas de Smart TV maintenant en 2021, quand même ? Aussi, c'est vrai. Ah bah moi j'ai une très bonne télé, hein, c'est même une télé 3D, du coup ça se fait plus, mais du coup j'ai pas l'application Disney Plus sur ma télé. Ma télé date de 2011, du coup ça ne se faisait pas encore, donc il m'a fallu acheter une Chromecast. Bon après comme t'as dit c'est 40 euros, c'est pas non plus énorme, mais oui c'est certes un achat de plus. Et encore on n'a pas parlé de la PlayStation et de la Xbox, etc. Enfin il y a vraiment plein de moyens. Hein. Et du coup alors il y a eu ce premier couac, ce choix fait par Disney France de faire un contrat d'exclusivité avec Canal+, mais il y a eu aussi, peut-être on peut en parler, de catalogue qui n'était pas forcément celui qui était attendu par les fans, parce que contrairement aux États-Unis, bah nous, en France, on a la chronologie des médias, et donc certains fans ont pu être déçus en fait à l'arrivée de Disney+. Disons que la chronologie des médias jusqu'à maintenant, en particulier pour les services SVOD, les gens ne s'en sont pas rendus compte, parce qu'on ne va pas sur Netflix pour le cinéma. Clairement, enfin, on y va, mais ou alors pour voir les vieux trucs. Pour Disney, c'est un peu différent, parce que là, tu t'attends à voir les dernières œuvres, et en fait, quand Disney Plus est arrivé, il n'y avait même pas Coco, sachant qu'en avant venait de sortir. D'ailleurs, on l'a remarqué beaucoup sur nos réseaux sociaux à nous, on devait leur expliquer, oui, mais il faut attendre 3 ans avant qu'un film puisse arriver. Oui, on explique toujours encore, hein, d'ailleurs. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que... Enfin, Disney Plus a vraiment mis en avant ce problème de chronologie des médias,
D'ailleurs, normalement, ça devrait bouger, à condition, bien sûr, que les plateformes investissent entre 20 et 25%. Alors, je sais plus si c'est leur chiffre d'affaires ou leur bénéfice. Je crois que c'est leur chiffre d'affaires, oui. Il faut qu'ils investissent 25% ou 33%, je sais plus, mais... Non, c'est entre 20 et 25%. C'est 20% minimum. Tu peux monter jusqu'à 25%. Et en fonction de ça, tu auras le délai qui passera. Alors, je suis pas trop sûr des chiffres, mais si c'est 20%, grosso modo, ça sera 18 mois avant de pouvoir mettre ton film, je crois. C'est, je sais plus si c'est 18 ou 12, et que si t'es 25, tu passes à moins d'un an, en fait. Oui, donc ouais. Il y a quand même un intérêt. Je vais revenir sur ce que disait Franck en disant que le fait que, enfin, Disney Plus a mis en avant le problème de la chronologie des médias plus que Netflix. Je pense qu'aussi une des raisons, c'est pas tant le fait qu'on, Netflix, on ne veuille pas voir de films. C'est la marque, en fait. C'est-à-dire que la marque Netflix propose des contenus Netflix. Et ensuite, le reste, considéré un petit peu comme du bonus. Et comme tous les films Netflix sont des films qui ne sortent pas au cinéma en France, du coup, le problème ne se pose jamais. Alors que sur Disney+, on connaît la marque Disney, donc on s'attend à voir les films Disney, donc ils n'y sont pas, puisqu'ils sont trop récents en réalité. Mais on pourrait reprocher à Netflix de ne pas avoir, j'en sais rien moi, un film sorti de l'année dernière au cinéma. En réalité, on n'y pense pas, parce qu'il n'y a pas de raison particulière que ce film-là soit sur Netflix, peut-être même qu'il n'y sera jamais. Mais du coup, je pense que c'est aussi pour ça que les gens ne se sont pas rendus compte, particulièrement sur Netflix, en fait. Mais après, la chronologie des médias, Disney Plus France, ils n'y pouvaient pas grand-chose. Par contre, le reste du catalogue, c'était de leur ressort. Et mine de rien, ils auraient pu mettre tous les films d'avant 2017 qui étaient présents sur la plateforme US. Ils l'ont pas fait. En cartoon, on était un des pays à avoir le moins de cartoons. Bon, ils se sont un peu rattrapés au second semestre, mais... Après, en cartoon, je suis d'accord, mais en film, tu penses à quel film, en fait? Parce que globalement, les films américains d'avant 2017 sont sur Disney Plus France. En tout cas, ceux qui sont sur la plateforme US, il n'y en a pas tant que ça. Je ne sais pas auxquels tu penses particulièrement. Il y a quelques téléfilms, quelques Disney Channel Original Movie ou des choses comme ça, mais... Ouais, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais les Disney Channel Original Movie, j'ai quand même l'impression qu'ils y sont quasiment tous, sauf dans les derniers. Mais par exemple, il n'y a pas les courts-métrages True Life Adventure, ou choses comme ça, quoi. Donc, Oui, non, mais ça, oui, mais alors, du coup, on est plus sur des longs métrages, mais et puis tu entendras que personne n'attend au tournant les True Life Adventures dans le public français. Non, c'est sûr. Mais il y avait aussi pas mal de Nat Geo qui n'étaient pas présents. Ben ça, c'était un peu bizarre. C'est vrai que National Geographic, il n'y avait pas grand chose. Ça commence un petit peu à se remplir, mais on avait l'impression que ça avait l'air compliqué pour. Et même des 20th Century Studios qui sont arrivés bien plus tard chez nous. Alors. Aussi, ouais. Et c'est surtout qu'en plus, on aurait pu imaginer, mais bon, je pense qu'on était trop naïf, on aurait pu espérer que pour compenser la chronologie des médias, la France ait même plus de films que les autres, parmi les plus anciens. Quand même, dans un avantage par rapport aux États-Unis, il faut quand même le citer, c'est qu'aux États-Unis, les films récents de 20th Century Studios étaient sous contrat de diffusion sur la plateforme HBO jusqu'à 2022, il me semble. Ce qui fait qu'il y a plein de films qui n'ont pas pu être ajoutés là-bas, alors que nous, ils y étaient. Par exemple, tous les X-Men sont sur Disney Plus en France depuis le début. Alors qu'aux États-Unis, ils ont été rajoutés au compte-gouttes bien plus tard, et encore, je crois qu'ils n'y sont pas tous encore. Donc, ils ont aussi leurs soucis hein, aux États-Unis. Mais de toute manière, si la chronologie des médias est réduite à un an, c'est-à-dire que dès que ça sera bon, on récupère tout le catalogue, puisqu'il n'y a rien qui est sorti depuis un an quasiment au cinéma. Donc, Ah bah oui, du coup. Oui, c'est sûr qu'un an, c'est très bien. Ça va assez vite. Hein. Il n'y a pas tant de films que ça qui sont sortis. Et même s'il n'y avait pas eu cette histoire de confinement à cause de la pandémie, placez-vous il y a un an et dites-vous qu'au lancement de Disney+, en avril dernier, on aurait donc déjà eu très rapidement des films comme Toy Story 4 ou quoi qui étaient sortis l'année d'avant. Donc voilà, ça reste vraiment très raisonnable par rapport à... au délai actuel, ça c'est certain. Après, il y aura toujours les soucis des sorties, justement, où Disney voudrait sortir un film au cinéma, puis sur Disney+, en même temps, ou alors très peu de temps après, etc. Ça réglera toujours pas le problème. Hein. Un cas comme Raya et le Dernier Dragon, on sait toujours pas ce qui se passe en France, mais même avec une chronologie des médias, le problème se serait posé, puisqu'en gros, s'ils le sortent au cinéma, on va le mettre sur Disney+, pendant au moins un an, du coup. Donc voilà, ça règle pas tous les problèmes non plus. Et d'ailleurs, comme tu disais, Raya sort partout en Europe, à la fois au cinéma et sur Disney+. Mais en France, ils ont dû faire un choix, parce que s'ils le mettaient sur Disney+, ils ne pouvaient pas le sortir au cinéma, et inversement. Et donc, Disney France a préféré le sortir au cinéma. Pour l'instant. Oui, sachant que les cinémas étant fermés, donc du coup, là, pour le coup, c'est le public qui perd complètement, parce que du coup, on ne sait même pas si on peut le voir. Sur le public fan trouvera d'autres moyens de le voir, c'est pas très compliqué.
Mais du coup, c'est un peu dommage, quoi, de se dire, bon, bah, j'ai envie de voir Raya et les Dragons, j'ai envie de le voir en France, en payant mon film en France. Bah, je dois attendre, quoi, peut-être juin prochain. Allez, on va, imaginons. Du coup, aux États-Unis, ils le sortent en même temps au cinéma en mars, mais il sera même disponible sur Disney Plus supplément dès juin aux États-Unis. Donc, et donc dans le reste du monde. Donc vraiment, ça veut dire que nous, le film, on va l'avoir sur Disney Plus si on garde la chronologie des médias actuels. On devrait l'avoir donc en juin 2024. Ça me paraît quand même vraiment très, très, très loin par rapport à ce qui est proposé aux États-Unis. Il suffit de prendre le cas de en avant, finalement. On va pas avoir avant le printemps 2023, alors qu'il est partout ailleurs. Oui, c'est ça. Mais en plus, la France, comme l'a montré le cas Mulan, n'a pas voulu utiliser l'accès premium pour, on ne sait pas pourquoi. Bah ça, c'est vraiment un mystère, oui. Donc, Mulan, Disney décide de le sortir finalement sur sa plateforme de streaming pour un prix de $30 et c'était 22 € en France. 22 € en Europe. Pendant 3 mois avec une exclusivité. Et après, au bout de 3 mois, le film était inclus dans l'abonnement Disney+. Donc, il est sorti partout dans le monde où Disney+ était autorisé, sauf en France. Où la France a dit, on vous fait un cadeau, on vous l'offre gratuitement en décembre 2020. Sauf que c'est pas un cadeau, puisque tous les autres pays l'ont eu aussi gratuitement en décembre 2020. Donc, la question est de savoir pourquoi. Alors, il y a 2 sons de cloche. L'un, c'est parce que paraîtrait que les Français se sont plaints massivement, notamment aussi l'affaire d'un exploitant de cinéma qui a détruit une PLV de Mulan, en se filmant sur les réseaux sociaux et ça fait le tour du monde. Ou d'un autre côté, il y a des bruits aussi qui courent que Canal+ aurait payé très cher pour avoir une diffusion de Mulan sur sa chaîne pour Noël. Donc je sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ou alors c'est carrément une décision de Disney France pour raison encore plus obscure, je sais pas. C'est un peu compliqué de savoir ce qui a fait que Disney France ait pris cette décision au final. Et pas ni le premier access, ni la sortie cinéma. Mais de toute manière, Disney France, en ce moment, a vraiment des problèmes de communication. Mulan, on n'a jamais su pour vraiment trop pourquoi. Après ça, il ne nous devrait pas d'explication particulière. C'est juste qu'on ne savait pas ce qui allait se passer pendant trop longtemps, en fait. Mais il y a eu plein d'erreurs en France, dont en novembre, on a remarqué qu'il y avait une 60aine d'œuvres qui avaient disparu de la plateforme. Il n'y a eu aucune communication de la part de Disney France. Et quand les utilisateurs contactaient le service clientèle, y en avait un qui disait X et un autre qui disait Y. Et au final, on ne savait pas quel était le problème. Alors, certains disaient que c'était une erreur de serveur. D'autres disaient c'est normal, les œuvres arrivent et disparaissent sans prévenir. En plus, le plus triste, c'est que tout ça, au final, c'était juste une erreur qui a été corrigée. Elle l'a été. Ça n'a jamais été communiqué non plus. Du coup, c'est bête parce que les gens, pendant longtemps, ont pensé que c'était normal que Disney enlevait des films, des articles ont été écrits sur, etc., etc. Donc, tout le monde se partage cette info, et alors que Disney pouvait très facilement se défendre en disant « Nous excusons, c'est une erreur, ça va revenir. » Non, je voulais dire justement qu'il y avait eu une anecdote assez drôle là-dessus. C'est que parmi la 60aine de titres qui ont disparu du catalogue, il y a « Maman, j'ai raté l'avion 2 ». Et justement, lorsqu'il a été remis, il a été annoncé par Disney+ comme une nouveauté à l'occasion de l'arrivée des fêtes de Noël, puisque c'était en décembre. Et il a été vendu comme une nouveauté qui était inédite et qui n'était jamais apparue sur le catalogue, alors que il avait disparu juste depuis un mois et demi à peu près. Non, je pense que Maman, j'ai raté l'avion 2. Enfin, c'est Maman, j'ai encore raté l'avion. Enfin, je ne sais plus le titre. Maman, j'ai encore raté l'avion et je suis perdu dans New York. D'accord. Je pense que là, c'était plutôt qu'ils avaient perdu les droits pour je ne sais quelle raison et ils l'ont récupéré 6 mois plus tard. Alors que ceux qui ont disparu en novembre, d'après ce que j'ai vu, c'était en fait parce qu'ils ont rajouté, pour certains, l'écran d'avertissement et donc ça aurait mis la grouille quelque part. Je pense que quelqu'un s'en est rendu compte, sachant que le catalogue n'est pas du tout géré en France, hein, il est géré en Angleterre. Donc ils ont dû se dire donc ils ont remis quasiment tout, sauf qu'il y a sur les séries, il y avait aussi quelques séries qui avaient eu le même souci. Dont la légende des trois Caballeros, et malheureusement ils ont mis la moitié des épisodes dont il manque notamment l'épisode 1, donc on peut pas commencer la série, et à ce jour c'est toujours pas de retour et c'est toujours pas corrigé. Bon, alors que c'était bon au lancement, hein.
En fait, l'arrivée de Disney Plus en France, ça a juste mis en lumière l'incompétence de Disney France, hein, en tout cas. Parce que par exemple, pour moi, qui suis en Irlande, on n'a jamais eu de problème de catalogue comme il y a pu en avoir en France. Ou même dans d'autres pays, on n'a pas entendu parler de ce genre de problème de catalogue. Sur l'actualité en Europe, il n'y a vraiment pas eu ce point-là à relever. Donc oui, il y a des améliorations à faire là-dessus, c'est sûr. Après, il y a un autre problème qui ne peut pas arriver en Irlande, c'est le problème des langues. Puisqu'en Irlande, du coup, les contenus sont tous en anglais. Là, pour le coup, on ne peut parler que pour la France, mais en tout cas, en France, il y a pas mal de couacs régulièrement au niveau des langues. Par exemple, le lancement de la série Once Upon a Time in Wonderland, qui est annoncée un peu en grande pompe pendant plusieurs semaines, sachant que c'est un spin-off d'une série appréciée, qui était déjà disponible. Et le jour du lancement, alors qu'ils ont fait l'effort de doubler l'intégralité de la série uniquement pour la sortie sur Disney+, ben ils ont oublié de mettre la VF et les sous-titres français sur le premier épisode. C'est ballot, hein, parce que du coup, ils y étaient sur le deuxième, et ça a été bien sûr rajouté en urgence pendant les 2-3 jours qui ont suivi. Ça plombe le lancement du truc. Pirates des Caraïbes 5, jour du lancement, pas de français. C'est rajouté ensuite dans les 24 heures, mais du coup, tous les commentaires sur les réseaux sociaux pendant 24 heures et au-delà, puisque les gens ne vont pas rechecker régulièrement l'été dorénavant. Donc, c'est toujours des cas comme ça, et même dans des contenus, parfois, des trucs comme Lizzie McGuire, le français est arrivé plus tard, etc. Par exemple, un des cas où les langues ont fait beaucoup parler, c'est Hamilton. Mais là, c'est un cas global, c'est-à-dire que visiblement, les créateurs d'Hamilton ont refusé que des sous-titres internationaux soient ajoutés le contrôle total sur le texte exact de leur comédie musicale. Ils ont promis que ça allait finir par arriver, notamment Lin-Manuel Miranda, quand on lui a posé la question pour les latino-américains, puisqu'il est lui-même latino-américain. Du coup, on lui a demandé quand est-ce qu'on va avoir des sous-titres espagnols, parce qu'on aimerait profiter de ton travail. Il a dit que ça allait arriver. Ça n'est jamais arrivé pour l'instant, en tout cas. Mais ça, au moins, il y avait une raison qui n'était pas de la faute de Disney France. Mais quand on a un truc comme Lizzie McGuire ou Doug, la série, qui est disponible que en VO, je suis désolé, mais bon, je dis pas qu'il faut. Du coup, c'est même pas la peine de la mettre, mais j'ai pas envie de dire ça parce que ça m'embêterait qu'ils arrêtent de mettre des choses. Et inversement, il y a les fans Star Wars qui demandent des sous-titres à toutes les séries animées, style Star Wars Rebels ou The Clone Wars, alors qu'il y a que la VF. Après, ils ont fait des choses bien. Parce que par exemple, Once Upon a Time in Wonderland, ils l'ont doublé. Sur l'incorrigible Cory, où il y avait des problèmes de VF sur les trois premières saisons, c'est pour ça d'ailleurs que les trois premières saisons sont arrivées plus tard, ils l'ont réglé, ils ont mis de la VF sur tous les épisodes. Donc ils essayent de faire des choses bien, mais je pense qu'ils devraient plus investir justement sur le doublage ou sur les sous-titres des anciennes œuvres. Surtout qu'en fait, l'image que ça donne, c'est qu'on a l'impression effectivement, comme je dis, qu'ils sont pas beaucoup surchargés de travail, très bien, bon, mais bon, c'est quand même Disney Plus dont on parle. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas du budget pour ça? Alors oui, il faut faire des économies, etc., mais peut-être pas sur Disney Plus. C'est peut-être pas là où il faut en faire. Mais quand on voit des erreurs de titre, chez Chronique Disney, on a parfois remonté l'information quand on a pu, et ça a été corrigé. Hein. Le dessin animé Cendrillon de 1950, il était indiqué La Légende de Cendrillon, qui est en réalité le film de Whitney Houston, qui est d'ailleurs sorti récemment. Bon, on leur a dit, ils ont corrigé. Et d'autres cas, comme... je sais pas, Atlantide, l'Empire perdu, s'appelle Atlantis, l'Empire perdu sur Disney+. Pourquoi? Parce que c'est le titre québécois. En fait, ils se sont basés sur le catalogue québécois déjà traduit en français, en faisant les adaptations qui étaient nécessaires pour pouvoir mettre les titres de la France métropolitaine. Mais parfois, il y a eu des couacs, comme celui-ci. Voilà, ce sont des erreurs qui semblent faciles à corriger et qui paraissent. Et ça fait maintenant quasiment un an qu'elles sont toutes là, en fait. Et c'est beaucoup de travail, une plateforme de SD, on peut comprendre. Mais, il y a quand même ça semble révéler un peu un manque de moyens, et même le compte Disney Plus Help, le compte qui répond sur les réseaux sociaux aux demandes des internautes qui ont des soucis, ils répondent parfois, mais vraiment, vraiment à côté de la plaque, hein. C'est limite si quelqu'un va pas demander est-ce qu'on pourrait avoir Harry Potter, et le compte va répondre machinalement, merci de vous intéresser à Disney Plus, n'hésitez pas à proposer Harry Potter sur notre site, machin, et on verra ce qu'on peut faire. Mais enfin, on a l'impression c'est géré par des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'est Disney, et en fait, c'est le cas. Ça va pas se leurrer, c'est géré certainement par une entreprise tierce. Enfin, vous voyez, c'est des trucs comme ça qui ça donne une image un peu rudimentaire, comme si Disney était géré par une petite start-up qui faisait du mieux qu'elle pouvait. Donc, on pourrait les excuser, c'est jamais ça, mais bon, c'est Disney,
Et Disney dans son plus grand projet, quoi. Oui, c'est ça. Mais on ressent pas, enfin, quoique avec l'annonce de Star, ils ont donné l'impression de passer à la vitesse supérieure au niveau communication et de se rendre compte que, enfin, ils avaient quelque chose d'important. Mais c'est à se poser la question, en tout cas en France, et surtout vu comment ils ont fait avec Mulan et comment ils font avec Raya, Disney Plus pour eux donne plus l'impression d'être un boulet plutôt qu'une opportunité, à la différence de la maison mère, hein, qui se rend compte que bah, Disney Plus c'est leur vaisseau amiral et surtout c'est ce qui les a sauvés à la pandémie et qui est en train de les transformer en GAFA, dont maintenant on dit presque GAFAD. Alors qu'en en France, ils restent toujours sur leur vieux modèle, le cinéma, c'est le, quelque chose de noble, et puis la SVOD, ouais, c'est comme la télé, quoi. Après, le cinéma, c'est quelque chose de noble, hein, mais c'est juste qu'on peut bosser sur les deux, quoi. Surtout en ce moment, en fait. Et surtout, ils donnent pas l'impression de connaître leur catalogue. C'est ce qui est un peu gênant, mais bon. En tout cas, le lancement en France a été en demi-teinte, mais ça s'est vite oublié face au succès de la plateforme, puisque en mai 2020, Disney Plus comptait déjà 55 millions d'abonnés dans le monde. Ils ont atteint en moins d'un an les objectifs fixés pour entre 2023 et 2024. Mais il faut dire aussi qu'avec la crise mondiale du coronavirus, la vie du service n'a pas été de tout repos. On y vient tout de suite. Tu es devenu fort, mon garçon. Et ton intelligence dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Alors emmène-moi avec toi. Tu es tout ce qu'il me reste, Artie. J'ai encore quelque chose d'important à faire. On va leur offrir un grand spectacle. Le seul et unique Regardez, je suis là. Je suis roi Mulan. Je promets de vous combler d'honneur. Ça fait je sais plus combien de temps que je suis là. Et jusqu'à maintenant, rien ne m'avait donné envie de vivre. Voilà que tu débarques et tu te débats comme un dingue pour y retourner. Pourquoi ? Ça vaut le coup d'aller voir. Donc Disney Plus n'a en effet pas eu le rythme de vie prévu pour le service au départ. Beaucoup de titres programmés initialement pour le cinéma ont finalement atterri sur la plateforme. Et pourtant, les utilisateurs se sont plaints d'un catalogue un peu pauvre. Je vais nuancer ce catalogue un peu pauvre, mais surtout ces nouveautés un peu pauvres. Alors, bon, certes, le Covid a tout freiné et a stoppé tous les tournages. Donc, fatalement, les séries qui devaient arriver tout au long de l'année ont été un peu stoppées et ont pris du retard. Néanmoins, si on analyse de façon factuelle les nouveautés qui ont été sorties en un an, on se rend compte quand même qu'il y a à peu près une vingtaine de longs métrages, ce qui vient en fait en moyenne un par mois, voire plus, ce qui est vraiment pas mal. Et c'est le plus grand nombre de longs métrages jamais sortis sous le label Disney depuis l'histoire de la compagnie, quand même, pour mettre les choses en perspective, quand même. Oui, mais pourtant, pour le grand public, si on demande en 2020, il n'y a pas eu beaucoup de films Disney sortis. Bah, en film, c'est vraiment de mauvaise foi. Hein. Vraiment, il y en a eu un tous les mois. Et il n'y en a jamais eu autant, hein. Vraiment. Après, le problème, c'est que forcément, vu la promesse de Disney+, ce sont que des films familiaux. Donc, c'est toujours le même genre, quelque part. Et donc, forcément, s'ils veulent des films adultes ou... non, c'est pas le bon endroit. Mais pour autant, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des comédies dramatiques, des comédies, des documentaires, des même un album visuel. Ça a été assez pléthorique et assez diversifié. Sachant qu'en plus, il y a eu les films qui sont arrivés directement sur la plateforme alors qu'ils devaient sortir au cinéma. Alors, on a déjà parlé de Mulan, Hamilton et Raya, mais il y a eu aussi Artemis Fowl, il y a eu Le Seul et Unique Ivan, il y a eu Soul, le dernier Pixar. Donc, il y a eu quand même beaucoup de nouveautés, question film. Et là où il y a eu beaucoup de choses aussi, et qui, je pense qu'il a été négligé par le public, c'est tout ce qui était les émissions et les séries non scriptées. Il y a eu beaucoup de documentaires, quarantaine à peu près, dont certains qui sont vraiment très 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 bien. Alors on en a parlé lors d'un précédent podcast. Il y a le documentaire de Frozen qui est absolument à voir, qui est magnifique, celui sur Imagineering. Il y a Souvenirs de tournage, voilà. Après, je peux comprendre que ça, ce soit pas ce qui fasse le buzz auprès du grand public, puisque les trois que tu viens citer, c'est vraiment pour les purs fans de Disney. Donc c'est important qu'il y ait ce genre de contenu, bien entendu, c'est ce que nous on attend. Mais je comprends que le grand public en général, quand il va sur Disney+, il soit pas immédiatement attiré par un making-of. Oui, bien sûr. Mais pour autant, ce sont des productions de qualité. Et, bien sûr, bien sûr.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que même sur Netflix, il y a des productions de ce type, comme The Toys That Made Us, par exemple, ou The Movies That Made Us, voilà. Mais ce type de choses-là, c'est pas ça qui va faire le buzz auprès des gens. Puis on sait aussi pourquoi il y en a beaucoup, c'est parce que c'est ce qui coûte le moins cher à produire. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Après, un autre détail aussi où il y a eu beaucoup, et je pense que la plateforme est à saluer sur ça, c'est qu'elle a permis aussi le retour de façon assez conséquente des courts-métrages animés. Les Spark Shorts, les Short Circuits, même la série Le Monde Merveilleux de Mickey, bon, qui est une dérivée de celle qu'il y avait sur Disney Channel, ou là récemment les Pixar Popcorn, plus des courts-métrages un peu indépendants comme celui sur Olaf ou sur La Bergère de Toy Story. Plus Mythe qui va arriver. Mais ça aussi, après, les gens, après, le grand public n'a peut-être pas autant de. N'est peut-être pas aussi cynique, mais ça aussi, on lit beaucoup de cynisme là-dessus, avec des gens qui trouvent qu'il y a trop de courts-métrages, et forcément, comme c'est court, le générique de fin est même parfois plus long que le film, etc. Ils sont beaucoup dans ce type de discours-là. Je pense que le vrai manquement pour les gens, ce sont des séries scriptées, on qualifierait en anglais de drama, ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément tristes. Hein. Une série de fiction, en fait. Voilà, des grandes séries de fiction, autres que des sitcoms. Voilà, quelque chose de ce genre-là. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez Disney Plus actuellement, il n'y en a pas eu beaucoup, puisqu'il y a eu The Mandalorian, il y a eu L'étoffe des héros de National Geographic, que beaucoup de gens ont dû confondre avec un documentaire, et WandaVision, qui cartonne également. Mais t'as eu High School Musical aussi, parce que c'est pas tellement un sitcom. Oui, bon, on est un petit peu dans le milieu de... Qui est très bien, hein, d'ailleurs, High School Musical. Oui, elle est très bien. Mais je pense qu'elle s'apparente quand même davantage à une sitcom qu'on aurait pu voir sur Disney Channel qu'à une grosse production qu'on aurait vue sur ABC aux États-Unis par exemple, ou sur TF1 en France. The Mandalorian, L'étoffe des héros et WandaVision... Ce sont actuellement les trois séries drama qu'on a sur Disney+. Et c'est vrai qu'il n'y en a que trois. Donc je pense que c'est là que les gens attendaient davantage, d'autant plus ce pourquoi vous entendez parler de Netflix tout le temps, ce sont jamais leurs films, même s'il y en a qui sont parfois de très bien réalisateurs. Ce sont des séries drama, des choses comme Lupin, des choses comme ça, qui sont vraiment des contenus que les gens binge-watch avec plaisir, etc. C'est le fonds de commerce. Et je pense que le public principal de tout ça, ce sont les jeunes adultes aussi. Et c'est le public de Mandalorian et de WandaVision. Bon, WandaVision, il suffit de voir Twitter. Si on n'a pas vu la série, il n'y a pas intérêt d'aller sur Twitter le vendredi, parce que tous les vendredis en France, WandaVision est premier des top tendances. Hein. Avec Marvel qui, une fois de plus, à chaque fois... Dit constamment l'image qu'on veut bien lui prêter, qui est soi-disant celle d'un studio qui ne prend jamais de risques. Alors que si vous prenez l'histoire de Marvel Studios, ils en ont pris à plusieurs reprises. On peut penser au Gardien de la Galaxie, qui n'était vraiment pas un film évident à vendre. Mais là, WandaVision, d'ailleurs, encore aujourd'hui, et je pense que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a sûrement qui se sont arrêtés à l'épisode 1 ou à l'épisode 2, vraiment continuer, absolument. C'était vraiment très osé. Il fallait vraiment grande confiance dans le pouvoir de sa marque, de ses personnages et de son univers, ce qui toutes des avantages qu'ils ont, hein, voilà, pour se permettre de commencer par une série comme ça. Et du coup, aujourd'hui, avec la qualité et l'ambition à laquelle correspond cette série, les gens reconnaissent quand même qu'il y a vraiment, quelque chose. Ce n'est pas une série comme les autres. Et ce n'est pas la série que les gens... Celle-ci plus Mandalorian, ils se rendent compte que Disney+, certes, a sorti peu de séries, mais qu'elles étaient de qualité. C'est ça. La seule qui est passée entre les mailles du filet, c'est l'étoffe des héros. Et je pense que c'est malheureux. Hein, mais je pense qu'elle aurait mieux fonctionné s'il n'y avait pas le logo National Geographic dessus. C'est une série de fiction, hein, donc pour ceux qui nous écoutent, une série de fiction dramatique. Et c'est plutôt pas mal. Hein. C'est pas la série du siècle, hein, attention, bien sûr. En plus, c'est un plus ou moins un remake d'un film qui porte le même titre que beaucoup visiblement ont vu. Mais du coup, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que ça flop sur Disney+. Mais là, il y a pas mal de séries qui vont arriver. Et forcément, bon, désolé d'en parler déjà, mais du coup, avec Star, dès la semaine prochaine, on va avoir des choses comme Love Victor, Big Sky, Solar Opposites et d'autres séries qui vont arriver ensuite. Ce problème-là ne devrait plus exister puisque toutes les séries pour jeunes adultes, drama que les gens adorent regarder sur Netflix, c'est tout ce qui va arriver sur Disney+, dorénavant. Et tout ça, mêlé avec les grosses séries Star Wars, Marvel et Disney aussi, puisqu'il y a des séries comme les Mighty Ducks, etc. Sachant que c'est aussi quelque chose de... C'est très nouveau, hein, puisque les séries Disney drama comme ça, ça faisait des années qu'on n'en voyait plus. Hein.
Disney a aussi eu du mal, je trouve, à mettre en avant les nouveautés qui auraient pu fonctionner et qui auraient pu plaire. Je pense par exemple au film Safety, qui n'a pas du tout été vendu par Disney+, qui n'a pas été mis en avant, qui a juste été annoncé comme disponible la semaine de sa sortie, que j'ai regardé personnellement sans trop y croire. J'ai lancé et puis je me suis dit pourquoi pas, c'est un nouveau truc, j'ai rien d'autre à regarder ce soir, et où j'ai été assez happé. Ah oui, j'ai adoré, c'est un super film. Voilà, alors que je suis aussi sportif que une patate dans son canapé, mais... Mais c'est pas un film sportif, en fait, si on analyse bien. Enfin, si, un peu, mais c'est surtout une belle histoire familiale. Voilà, ça a été très peu vendu, et au final, le peu que ça a été vendu comme un film sportif, alors que c'est une histoire qui est ultra touchante. Après, c'est vraiment le genre de film où je pense qu'ils n'ont pas d'ambition internationale. C'est-à-dire qu'en fait, ces films-là sont produits pour le public américain, qui, eux, sont assez réceptifs aux films sportifs. Et le public déjà existant suffit, je pense, à rentabiliser ces films qui ne sont pas très chers à produire. Et ça fait des années que Disney fait des films de sport. Ils s'étaient juste calmés pendant un moment, justement, dans les années 2010. Mais avant les années 2010, il y avait des films de sport constamment, tous les ans, dans les années 2000, dans les années 90. Et là, ça revient tout simplement. Oui, d'ailleurs, on disait aussi qu'il y a beaucoup de films qui sont passés du cinéma à Disney+. Certains d'ailleurs, c'était peut-être mieux pour eux, comme par exemple, je pense à Artemis Fowl, qui a pas beaucoup convaincu les gens. C'est moins qu'on puisse dire. Et d'autres, au contraire, comme Soul, où je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai vraiment trouvé que c'était du gâchis qui soit pas visible sur le grand écran. C'est vrai. Mais après, ça a été un gros atout pour Disney+, puisqu'il y a eu énormément d'abonnements, surtout aux États-Unis, où il est sorti le même jour que Wonder Woman 1984 sur HBO Max, c'est une plateforme concurrente possédée par Warner. Soul a été un énorme succès. Donc on voit là toute la force d'un grand film d'animation labellisé Disney. Maintenant, bon, c'est du gâchis, mais on voit difficilement comment ils auraient pu faire autrement, ou alors ils nous auraient fait le coup de Raya, et ça veut dire que là, actuellement, on ne l'aurait toujours pas vu. Bon, enfin, on est en pandémie, c'est malheureusement... j'adore le cinéma, hein, vraiment. Hein, je vis à quelques minutes d'une salle IMAX, j'y vais autant que je peux. Bah là, ils n'auraient pas pu le sortir, clairement. C'était la meilleure solution, c'était le sortir Disney+, et je pense que Disney a pas mal de risques avec le cas de Raya, puisque bon, si c'est pour le sortir en juillet... Je ne dis pas qu'il ne marchera pas, hein, parce que je fais partie de ceux qui sont convaincus que la majorité du public n'est pas du tout ceux qui téléchargent, qui utilisent des VPN et tout ça et tout ça. Mais bon, c'est quand même un peu dommage de faire ça, surtout que pour le coup, même si on a le besoin de soutenir les salles de cinéma, et je suis le premier à le reconnaître, il commence à y avoir tellement de films qui sont décalés sans cesse que j'ai quand même l'impression qu'au bout d'un moment, il y en a un petit peu trop. En fait, quand les salles vont rouvrir, on va avoir combien de films qui étaient décalés, qui vont devoir sortir. Il va y avoir un embouteillage. Voilà, le sujet, c'est que typiquement Black Widow, j'aurais été le premier à défendre une sortie cinéma à tout prix. D'ailleurs, le film est toujours prévu pour le cinéma. Si on me dit qu'il sort sur Disney+, j'ai envie de dire, bah ok, de toute façon, les salles de cinéma vont quand même avoir Eternals et Spider-Man 3. On veut rester sur Marvel, donc... Puis Shang-Chi, non ? Pardon ? Shang-Chi. Shang-Chi, je sais plus s'il se devait sortir cette année, mais du coup, cet été. Oui, voilà. D'accord, voilà. Bon, ben, ça en fait trois. Donc, bon, c'est pas comme si les cinémas étaient dépossédés des blockbusters Marvel si jamais Black Widow sortait sur, en streaming. À la base, Black Widow, on rappelle qu'il devait sortir au printemps 2020. Hein. On est sur un an déjà de décalage. Bah, surtout que t'as Black Widow début mai, puis Cruella fin mai, t'as Free Guy entre les deux. Ce qui me gêne un peu pour Black Widow, pardon, c'est qu'en fait, c'est enfin le film de super-héroïne. Il y a eu Captain Marvel, bien entendu, mais on attendait celui de Black Widow depuis très longtemps, les gens le réclamaient. Scarlett Johansson a enfin son film dans ce rôle-là, etc. Et on se doute bien que si ce film n'a pas pu être fait auparavant, c'est justement parce qu'il y a sûrement eu des doutes sur le fait qu'un film de super-héros avec une femme dans un premier rôle, ils n'étaient pas sûrs que ça puisse fonctionner. Ils avaient tort, et Captain Marvel leur a démontré. Et du coup, c'est un peu bête, parce que du coup, ça fait que celui-là, typiquement, il sortirait pas au cinéma. On peut comprendre que Scarlett Johansson, je suis pas sûr qu'elle serait hyper ravie son film débarque sur Disney+. Mais bon, est-ce qu'il y a vraiment d'autres solutions actuellement? On peut toujours le décaler ad vitam aeternam. Hein. Mais le problème de Marvel, c'est que tous les films étant connectés, on commence à décaler un petit peu trop Black Widow, on se retrouve à ne plus trop savoir quoi faire de telle ou telle série prévue pour Disney+, parce que apparemment, les rumeurs racontent que typiquement, il faut avoir vu Black Widow pour pouvoir comprendre les séries qui vont venir. Et puis aussi, même le Land Avengers Campus qui est prévu pour cette année à Disneyland Resort en Californie, il ne peut pas trop ouvrir si on n'a pas vu Black Widow, apparemment. Et tout ça est un peu embêtant. À mon avis, ils vont le sortir en premier premium access comme Mulan. Hein. Parce qu'il y a une question de budget aussi. Ou comme Raya. Ils le sortent au cinéma aussi, comme ça. Raya, ils le sortent au cinéma, de toute façon. Les deux.
Mais en France, on peut pas. Le problème, c'est qu'en France, on ne sort pas Black Widow 6 mois après les États-Unis. Hein. D'accord, hein, parce que ça, c'est pas possible. Non, ça tiendra pas. Les films d'animation, moi, je veux bien le comprendre, même si moi, ça m'arrange pas. Quoique, j'utiliserai mon VPN et puis voilà. Mais sinon, Black Widow, c'est comme WandaVision. Quoi. Les films Marvel, on sait très bien qu'il y a des révélations à chaque fois importantes et qu'il y a une telle fanbase dans le monde. On parle quand même de la franchise qui contient le plus gros succès de tous les temps, Avengers Endgame. Donc, on n'est pas sur un petit public. Hein. Donc, Black Widow, c'est un film qu'il faut sortir immédiatement partout. Oui, surtout que en plus, on a eu un exemple de film de super-héros qui est sorti d'abord en SVOD et en même temps au cinéma avec Wonder Woman 1984. Et on a vu que ben malheureusement, ça n'a pas porté chance au film. Bon, il y a la qualité du film aussi. Mais ce qui fait aujourd'hui qu'en France, la sortie cinéma n'est même plus envisagée. Il sort directement en vidéo, oui. Bon, après, Wonder Woman, pour le coup, il n'y a pas non plus une attente en termes d'univers partagé. Enfin, en fait, c'est ce concept d'univers partagé qui pose problème, je pense, dans le cas de Marvel. Qui pose problème, c'est sa force hein, en réalité. Hein, attention, hein, c'est la pandémie est le problème dans cette histoire. Mais c'est que Wonder Woman fait quand même partie d'un univers partagé. Pour le coup, je ne l'ai toujours pas vu. J'ai pas spoilé quelque chose d'hyper important par rapport à ce qui pourrait arriver ensuite. Alors soit je suis passé à côté, oui, je suis complètement à côté de la plaque. Soit c'est qu'il n'y a pas grand-chose en fait à en dire. Mais pour le coup, des films et des séries Marvel, c'est quand même une autre histoire. Le simple fait d'avoir inversé la diffusion de WandaVision et de Falcon et le Soldat de l'Hiver a dû générer des discussions Marvel pour savoir si on pouvait les sortir dans cet ordre-là, si c'était pas un problème, etc., etc. Bah, je pense que le Faucon et le Soldat de l'Hiver sont c'est quelque chose beaucoup plus c'est une série j'ai envie de dire plus linéaire en fait que WandaVision. Bien sûr, mais rien ne nous dit que Black Widow n'apparaît pas dedans. Ah oui, c'est ça. Ouais. J'en sais rien en fait. Hein, je dis ça. Normalement, au point où on en est, ça devrait pas être logique du tout d'ailleurs, mais bon, WandaVision est en train de nous démontrer que tout peut arriver maintenant. Tout à fait. D'ailleurs, pour Black Widow, ils ont eu de la chance que Black Widow se passe entre Civil War et Infinity War, il me semble. Ils ont eu de la chance que ça se passe entre les deux au niveau de la continuité, parce que sinon ils auraient pas pu le repousser indéfiniment, quoi, comme ils sont en train de le faire. Oui, mais justement, je me méfie, parce qu'en fait, oui, à cette époque-là, qu'est-ce qui te dit que dans le film, le personnage ne va pas se retrouver balancé finalement dans le futur pour réussir à réintégrer le personnage d'une manière ou d'une autre, ou j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire, avec une autre actrice, toutes les rumeurs vont bon train, mais tout est un peu possible en fait. Et d'ailleurs, pour l'instant, ils n'ont sorti aucun autre film Marvel, mais bref, c'est un problème. Et le jour où Black Widow risque d'annoncer que Black Widow va sortir au cinéma et sur Disney+, le même jour, je suis curieux de voir comment la France va se comporter, parce que pour moi, la seule bonne pour la France, c'est donc de le sortir sur Disney Plus uniquement, et les cinémas vont mal le prendre. Parce que retarder Black Widow de plusieurs mois en France, là par contre, je pense que le public français va commencer à en avoir plein le dos. Bah, je pense que Black Widow, les cinémas seront ouverts d'ici là, mais bon. Oui, il faut espérer, bien sûr, on dit tout ça, peut-être qu'ils seront ouverts, et dans ce cas-là, moi je serais très content de voir Black Widow en IMAX, hein. Comme je dis, je suis le premier. Et puis même Raya, très honnêtement, si j'ai envie de le voir, je peux le voir de notre moyen. Et je serais très content de le voir au cinéma, même cet été, au moins j'aurai cette chance-là, même si ce sera un revisionnage. Voilà. Donc, c'est une situation un peu compliquée, il n'y a pas forcément de solution parfaite, et la chronologie des médias, je ne veux pas non plus mettre ça sur le dos de la chronologie des médias, parce que la chronologie des médias n'avait pas été pensée pour une pandémie non plus. Mais là, elle devient vraiment un boulet. Là, c'est un boulet, c'est-à-dire qu'en fait, à cause de la chronologie des médias, on a des films qui risquent de ne pas sortir au cinéma, pour le coup. Ça devient un peu compliqué. Si il n'y avait pas la chronologie des médias, Mulan aurait peut-être pu sortir en salle en même temps, hein, en France. Ça n'a pas été fait ailleurs, mais ils auraient pu. Donc des premiers mois de vie mouvementés pour ce service de SVOD, où tout est allé beaucoup plus vite que prévu, mais l'équipe dirigeante à la tête de ce Walt Disney Company a su faire face, et semble aussi avoir bien prévu l'avenir. Disney Plus vous offre encore plus avec Star. C'est John McClane. Découvrez un monde de stars. Cool. Deadpool. Meredith Grey. Nous sommes l'agent Scully et l'agent Mulder. Hercule. Poirot. Viviane. Et moi, Victor. Star, votre nouveau monde de divertissement avec des centaines de séries et de films. Joli, ça. Star, en streaming, dès le 23 février sur Disney+. Star, c'est le nom du nouvel univers qui va propulser Disney+ encore plus loin, avec des séries et des films qui ne visent plus particulièrement que les enfants ou la famille. Franck, d'après toi, qu'est-ce qu'il faut en attendre de Star ? Star, en fait, c'est la réponse à une des critiques qui était faite donc au service Disney+, c'est que ça manquait de diversité, puisque Disney+, c'était une plateforme
familiale, avec certes principalement du Disney, mais aussi du Star Wars et du Marvel. Mais il manquait, en fait, les jeunes adultes ne se retrouvaient pas dans la plateforme. C'était principalement une plateforme babysitter pour la famille et les parents qui mettaient leurs enfants devant. Et donc, il manquait cette dimension qui pouvait transformer Disney+ en un concurrent direct de, pour le coup, de Netflix, parce que jusqu'à maintenant, Disney+ était plus un complément. Mais le succès, grâce à la pandémie de Disney+, qui a explosé les compteurs, d'ailleurs, Disney a l'a compris très rapidement en réorganisant totalement l'organigramme de l'entreprise pour que le streaming en général et Disney+ en particulier deviennent le fer de lance de l'entreprise. D'ailleurs, ça les a sauvés en bourse. Et pour faire ça, ils ont décidé en fait de rajouter du contenu adulte qui manquait à la plateforme. Alors, ils avaient deux choix. Soit ils avaient Hulu, qu'ils auraient pu développer de façon internationale. Mais à mon avis, ils se sont dit, le problème, c'est qu'Hulu ne nous appartient pas encore intégralement, puisqu'il y a encore 30% qui est chez Comcast, qui est censé revendre ses parts en 2024. Donc, ils ont dû être freinés pour utiliser la marque Hulu. Et donc, ils sont partis sur une nouvelle marque qu'ils ont récupérée dans leur catalogue grâce à 20th Century Studios, qui est la marque Star. Qui, comme David l'a dit au début du podcast, était une marque indienne et assez générique. Donc, en fait, on peut tout mettre dedans. Et grâce à Star, ils vont pouvoir ouvrir un sixième univers dans Disney+, à la fois en Europe, au Canada et en Australie et Nouvelle-Zélande, où ils vont mettre tout leur contenu adulte, donc 20th Century Studios, 20th Century Television, ABC Signature, mais aussi des films Touchstone et Hollywood Picture. Ça va multiplier le catalogue facilement par deux, et rien que donc le 23 février, ce nouvel univers ouvre en France. Et il y a à peu près 280 œuvres, 250 films et 40 séries à peu près. Oui, avec pour but, je crois, avant la fin de l'année, de tripler ce nombre. J'aurais juste, dans ton explication sur le fait que Disney ait choisi de ne pas aller vers Hulu, mais d'aller de créer Star dans Disney+, il y a bien entendu certainement le fait que Hulu ne leur appartient pas. Et je pense aussi qu'il y a l'observation du succès de Disney+ Hotstar en Inde, où... globalement, c'était déjà en fait ce que va être Disney+ avec Star. C'est un petit peu différent, mais si vous allez sur Disney+ Hotstar, vous avez du coup tous les contenus Disney+, mêlant le contenu plus adulte de Hotstar, ainsi que des contenus indiens en grand nombre, ainsi que du sport, puisque Hotstar avait des droits sportifs, notamment sur le cricket, qui est un sport très très regardé en Inde, autant que le football chez nous, par exemple. Et donc du coup, tout ça, le succès de Disney+ Hotstar les a convaincu d'aller dans cette direction, sachant que je ne veux pas donner de chiffres parce que je ne les ai pas, mais parmi les abonnés de Disney dans le monde, une très très grande proportion sont abonnés en réalité à Disney+ Hotstar en Inde, sachant que beaucoup d'entre eux étaient en fait déjà abonnés avant que Hotstar ne devienne Disney+ Hotstar. Donc du coup, tout ça a dû assez les convaincre de la question, puisqu'en fait il y a quand même un point important, c'est que tout ça risque de chambouler à jamais le rapport du public avec la marque Disney, en fait. Jusqu'à présent, ce n'est absolument pas nouveau que Disney produise des contenus pour adultes. Ça fait depuis les années 80 qu'ils le font, depuis qu'ils ont créé la marque Touchstone, qui est juste un pseudonyme de leur studio, pour créer des contenus adultes comme Pretty Woman, Starship Troopers, Armageddon. Et du coup, c'est pas nouveau. Mais jusqu'à présent, Disney avait toujours cloisonné ses marques, et justement, avait créé Touchstone pour pouvoir passer à incognito, en fait, et pouvoir se permettre de sortir un film comme Splash, puisque c'était le premier. Ça peut paraître familial aujourd'hui, quoique pas tant, on a quand même censuré les fesses de l'actrice principale avec des cheveux, mais du coup, ils ont pu sortir sous la marque Touchstone, alors qu'il y avait des gros mots dedans, etc., des choses qu'ils pouvaient pas se permettre. Alors Pretty Woman, par exemple. Oui, ou Pretty Woman, qui parle de prostitution, parce que Pretty Woman, c'est l'histoire de Cendrillon, donc c'est très Disney comme histoire, mais on parle de prostitution, etc., donc on se permet pas de mettre ça sous la marque Disney. Aujourd'hui, alors qu'on se dirige de plus en plus, enfin, on voit déjà que ça a changé, puisque Splash est sur Disney+. Ok, hein, il y a eu l'histoire des fesses de Daryl Hannah, ça n'empêche pas que tout le reste du film est le même et que les gros mots sont toujours là. Donc du coup, là, avec l'arrivée de Star, en fait, il faut quand même prendre conscience que les gens vont se dire « Tiens, et si on regardait un épisode de Sons of Anarchy, où est-ce qu'il est ? Ben, c'est sur Disney+. » Voilà, alors oui, c'est dans Star sur Disney+, mais il ne faut pas se leurrer. Star, c'est pas le nom de la plateforme. La plateforme, c'est Disney+. Donc quand une série va arriver dessus, quand la série Alien va débarquer,
on dira que Alien arrive sur Disney+. Voilà, donc on va pas. D'ailleurs, là, tous les films vont arriver. Donc ce sera que, en toute logique, que la série originale débarquera et sera une série, certes, Star Originals, sur Disney+. Donc, du coup, ça peut vraiment changer le rapport qu'ont les gens. Les gens vont se rendre compte que Disney produit des films pour adultes. Mais en fait, il y a ça. Mais d'un autre côté, j'ai un petit doute sur le fait que, comme Disney va acquérir des contenus locaux par pays, notamment en France avec des films comme The Artist, là, par contre, ce ne sont pas des contenus Disney. Et je pense que les gens vont s'en rendre compte et de penser que tout ce qui est Star n'est pas Disney. Donc, il y a ces deux tableaux-là qui jouent en même temps. Je ne sais pas trop comment les gens vont comprendre, mais j'ai quand même l'impression que des gens ont l'impression que tout ce qui arrive sur Disney+, via Star, ce sont des contenus que Disney a acquis pour la diffusion uniquement, mais qu'en fait, ce ne sont pas eux qui les ont faits. Alors que Grey's Anatomy, c'est bien Disney qui l'avait. Mais moi, je pense que... Je ne sais pas comment les gens... Je pense que les jeunes adultes vont embrasser la nouveauté et Star sans aucun souci. Maintenant, comment les familles vont prendre ça, je sais pas, parce que Disney Plus jusqu'à maintenant était, comme je l'ai dit, un peu la babysitter des enfants. On savait qu'ils pouvaient mettre ça devant Disney Plus, il y avait pas de souci. Ça va... On peut toujours le faire quand même. Ils vont toujours le faire, mais Disney d'ailleurs est très conscient de ça, donc va mettre au point un système de contrôle parental assez important. Mais bon. Faut pas se leurrer, hein. Les gamins, ils savent retrouver les mots de passe des contrôles parentaux, hein. Donc oui, mais dans ce cas-là, ils peuvent aussi aller sur Netflix. Il y a plein de gamins qui vont sur Netflix et là, pour le coup, il n'y a aucun contrôle de rien du tout, même si profil enfant. Mais bon, ça après, on en vient à la responsabilité de chaque famille. Oui, et puis Disney aura fait sa part. Oui, voilà. Les enfants peuvent aussi télécharger ce qu'ils veulent sur Internet et voir des contenus pas très nets. Bon. Pas très nets sur Internet. Tout à fait. Mais oui, donc il y aura ça. Et puis, par contre, oui, je pense qu'ils vont se rendre compte que Disney, c'est peut-être plus que les dessins animés et que les séries pour ados. Mais je pense que ça va plaire parce que moi, je sais que rien que ma sœur me disait, le problème, c'est qu'il n'y a rien. Parce que Star Wars et Marvel, ça les intéresse pas. Et donc, il y a les dessins animés pour les petits et puis ça s'arrête là, quoi. Et donc là, ils auront autre chose. Et là, je pense que le public lambda sera de mauvaise foi en disant il n'y a rien sur Disney+, alors que maintenant, il y aura une diversité totale dans les œuvres, dans le choix, et surtout les séries, les dramas, comme tu disais, vont devenir abondantes. Et d'ailleurs, sur le catalogue, au final, les mieux lotis, ça va être les Européens hors France, comme Geoffrey, puisque lui, il va avoir le meilleur des deux mondes. Puisque toi, Geoffrey, tu vas avoir les 5 univers originels de Disney+, à peu près aussi riches que les États-Unis. C'est vrai. Et en plus, tu vas avoir Star, qui est un sous-Hulu, mais qui est quand même très riche, et pour seulement 2€ de plus par mois. Non, tu sais qui sont les plus avantageux? Je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Geoffrey. Mais les plus avantageux, c'est le Canada, figure-toi. Et les Australiens aussi. Ah bon? Ouais, Canada-Australie, je pense. Oui, puisqu'au final, c'est un peu comme eux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir le catalogue. Oui, ils ont tous le tu as dit, mais qu'ils ont tous le tu as dit, mais curieusement, ils ont beaucoup plus de contenu qui débarque dans l'onglet Star que le Royaume-Uni et les autres pays d'Europe. Et toi, Geoffrey, alors tu prends ça comment l'arrivée de Star? Moi, je suis vraiment très excité d'avoir tout le contenu qui va arriver avec Star, avec plus de 1000 titres à la fin de l'année pour le catalogue. Royaume-Uni et Irlande, parce qu'ils font pas trop la distinction entre les deux pays. Notamment aussi beaucoup de Touchstone Pictures et Hollywood Pictures. Je suis vraiment fan de ces films des années 80-90 qui sont un peu oubliés et du coup qu'on trouve pas forcément sur d'autres plateformes, notamment le premier concurrent Netflix. Les séries aussi, c'est quelque chose que j'attends avec beaucoup d'impatience et je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Et comme tu disais, ça va changer le regard que les gens ont sur Disney. Aussi les familles qui vont trouver que c'est plus l'image non plus qu'on a de Disney familial, etc. Mais c'est un mal pour un bien, parce que après tout, avant que j'arrive sur Chronique Disney personnellement, je pensais aussi que Disney c'était La Belle et la Bête et puis point final. Mais c'est bien plus que ça, Desperate Housewives, toutes ces séries qui sont tout aussi de très très bonne qualité et qu'on néglige et qu'on n'a pas souvent l'idée de lier, en tout cas, à Disney.
En tout cas, en termes de catalogue, même d'héritage Disney, patrimoine, pardon, c'est le catalogue Touchstone qui est intéressant, puisque je rappelle quand même, pour ceux qui ne savent pas, mais Touchstone, c'est vraiment Disney, hein, c'est vraiment Disney sous un autre nom. Vous pouvez le voir avec certaines attractions, hein, comme Armageddon ou Pearl Harbor, au parc Walt Disney Studios, on n'est pas sur du rachat, et donc personnellement, ça me fait très plaisir de voir ces films qui vraiment ont toute leur place, bien plus finalement que les films 20th Century Studios, que je suis très content de voir arriver aussi, parce qu'il y a de très très bons films, notamment Titanic, bien sûr, mais du coup, voilà, c'est vraiment la possibilité aussi de redécouvrir aussi le vrai patrimoine Disney de façon un peu plus intégrale. Et il y a bien sûr aussi les séries ABC Signature, qui, rappelons-le, s'appelait auparavant Touchstone Television. Là encore, ce sont des productions Disney. Desperate Housewives n'est pas un rachat, c'est une production Disney de A à Z. Donc c'est vraiment très très légitime. Et Star, c'est d'ailleurs la pointe émergée de l'iceberg, puisque avec le Disney Investor Day 2020 et les déclarations qui ont pu être faites juste avant, il faut comprendre en fait que Disney fait de Disney Plus sa locomotive. Oui, c'est ça, complètement ça. Avec beaucoup de contenu qui du coup vont rejoindre Disney Plus pendant l'année, aussi bien dans l'univers Star, mais énormément dans l'univers Star Wars, énormément dans l'univers Marvel et aussi dans l'univers Disney. Comme je disais tout à l'heure, on va avoir des dramas Disney, chose qui ne se faisait pas vraiment. On va avoir, par exemple, une série d'aventures sur la famille Robinson, des Robinson des Mers du Sud. Vous avez des choses comme ça qui vont arriver. Et donc, du coup, ça reste, c'est quand même très, très ambitieux par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent, finalement, en termes de contenu, de séries, etc. Et du coup, de ça découle une autre question, c'est Disney au cinéma ou en Blu-ray, est-ce que c'est fini? Est-ce que l'avenir, au final, c'est juste Disney+. De toute manière, Disney est un des premiers studios à ne plus croire au marché physique, et encore plus en France, d'ailleurs. Mis à part la sortie des nouveautés cinéma, en fait, ou alors de quelques séries, mais vraiment compte-gouttes, sinon, ils ne sortent plus rien, ou alors ils font des réimpressions, quoi. Mais c'est pas des nouveaux disques, c'est pas des nouveautés, et surtout pas de catalogue. Alors, aux États-Unis, ils faisaient encore quelques Blu-ray de vieux films Disney dans leur Disney Movie Club, mais c'était un abonnement, donc voilà, c'était compliqué pour les avoir. Mais non, ils croient plus du tout au support physique. Alors, ils sortent quelques films en steelbook, mais voilà, ça s'arrête là. Et le cinéma? Le cinéma, oui. Le cinéma, je pense qu'ils y croient, mais tout dépendra de la pandémie, en fait. Oui, voilà. Après, pour le cinéma, ils ont quand même beaucoup de films prévus. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que Disney produit énormément de films pour Disney+, je mets à part le cas de la pandémie actuelle, mais dans leur catalogue à venir, il y a quand même beaucoup de films pour le cinéma et d'autres films pour Disney+. Ce ne sont pas les mêmes ambitions, ce n'est pas les mêmes publics. Et ils savent aussi, je pense, quelque chose d'important, c'est que quand un film sort au cinéma, il y a quand même un engouement général qui se crée, ça crée des films forts, etc. Ce que le streaming a plus de mal à faire. Donc du coup, je pense vraiment qu'il y a un intérêt particulier pour le cinéma, et ils savent très bien que même sur des films, vous prenez Cruella, c'est pas la même chose de sortir Cruella au cinéma que de sortir Cruella comme un film Disney+. C'est pas la même image que ça donne du film. C'est pas le même événement. C'est pas le même événement, et surtout, on ne se rappellera pas du film de la même façon. Voilà, Mulan, c'est un peu particulier parce que le truc, c'est que comme il a été l'exemple pris pendant toute l'année de la situation, on va se rappeler de ce film, pour le coup. Mais, et pas seulement pour cette histoire de streaming. Mais du coup, un film comme, si vous balancez un truc comme Cruella sur Disney+, on va pas s'en rappeler très longtemps, quoi. Le cinéma reste quand même une expérience, et bon, comme tu le dis, David, c'est une activité comme une autre, hein, et les gens aiment quand on sortira de cette pandémie en 2072. Je pense qu'on va. On va avoir peut-être un regain même de personnes au cinéma. J'imagine pas, par exemple, voir Endgame sur ma télé. C'est pas du tout la même expérience. Même si aujourd'hui on a, une technologie qui se développe pour les particuliers avec des home cinéma qui en 5 points, 7 points, etc. Des images en 4K, 8K, etc. Ça reste quand même une expérience communautaire. Après, ça m'étonnerait pas que Endgame reste à la tête du box office mondial pendant très, très, très longtemps. Par contre, pour le coup, parce que je ne suis vraiment pas sûr qu'on aura le même modèle, en fait, en quelque sorte. On continuera à aller voir des films au cinéma, mais typiquement, Warner qui sort ses films sur HBO Max et au cinéma en même temps, ils l'ont quand même annoncé jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à Matrix 4. Le fait d'annoncer ça avec certitude comme ça, même s'ils disent que l'année d'après, on ne le fait plus, bon, on a quand même l'impression que ça risque vraiment fortement de changer le modèle de consommation des films.
Et du coup, peut-être que ça va devenir un nouveau modèle et qu'en fait, on pourrait avoir ce type de situation régulièrement. Et donc, du coup, le cinéma existera toujours. Malheureusement, beaucoup de salles vont fermer. Le cinéma, peut-être un petit peu comme les salles de spectacle vivants, vont devenir plus événementielles. On ira pour moins de films. C'est-à-dire que du coup, il y a de moins en moins de raisons pour les spectateurs de se déplacer pour aller voir un film comme Safety au cinéma. Moi, j'aurais bien aimé le voir au cinéma en soi, mais il est là à ta portée, à la maison, tu peux le regarder directement. Des comédies, des drames, des documentaires, ça risque quand même de disparaître progressivement du cinéma, et le cinéma risque de devenir un endroit vraiment de films événementiels. Et sachant que pour Disney, puisque avant Disney+, pendant toutes les années 2010, ils ne faisaient plus que ça, des films événementiels, en fait, ça ne change pas grand-chose, puisqu'en fait, ils vont continuer à sortir leurs films événementiels au cinéma, comme ils le faisaient avant, et tous les films non événementiels, avant, ils n'en faisaient pas, maintenant, ils en font, et ils les font pour Disney+. Moi, c'est comme ça que je le vois, en fait. Alors, en tout cas, une chose est sûre, beaucoup de surprises attendent encore les fans sur Disney+ à l'avenir. On arrive au terme de notre podcast sur cette première année de Disney+, en France. Et avant de quitter les oreilles de nos fans, j'aimerais faire un dernier tour de table avec vous sur Disney+. On va commencer par Geoffrey. Pour toi, est-ce que Disney+ t'a apporté ce que tu en demandais ? Complètement. Complètement. Alors moi, du coup, en Irlande, on avait, avant l'arrivée de Disney+, on avait Disney Life, qui était une plateforme aussi de services de vidéo à la demande, qui était dans très rares pays, donc aux Philippines, en Chine, je crois, et aussi au Royaume-Uni. Donc j'avais déjà cette expérience de la plateforme avec tous les classiques Disney, Pixar, etc., bien moins riche, bien sûr, en contenu. Et du coup, l'arrivée de Disney+, pour moi, ça a été encore un plus, comme c'est dit d'ailleurs, c'est pas pour rien que ça s'appelle Disney+, pas Disney moins. et du coup, pour moi, c'est tous les jours, c'est mon habitude, Disney+, Prime Video et Netflix, c'est mes trois plateformes que je regarde le plus souvent. Et l'arrivée de Star va encore plus me donner envie d'ouvrir en priorité Disney+, hein, parce que pour l'instant, je suis toujours Netflix aussi pour ce contenu plus adulte, plus drama, etc. Et puis c'est un succès sans conteste, hein, y a rien à dire. Est-ce que après, à la fin de la pandémie, on va avoir une diminution et un effet pandémie qui va entraîner une perte d'abonnés substantielle, je sais pas, peut-être pas, mais dans tous les cas, c'est clair que c'est une belle success story pour Disney+, qui devient le concurrent de Netflix, et ça, c'est sans conteste, et la semaine prochaine, enfin, à l'heure où on enregistre le podcast, Star va complètement changer tout ça. Et toi, Franck, justement, comme tu es grand collectionneur de galettes, DVD et Blu-ray Disney, est-ce que tu es satisfait de Disney+? Ben oui, parce que alors pour les films, je les avais quasi tous vus. Je crois que ça devait se compter sur les doigts d'une main ceux que j'avais pas vus. Et c'était pas du Disney la plupart du temps. Donc c'est pas pour les films, mais je suis content de les avoir parce que j'ai des vieux DVD. La grande majorité sont pas sortis en Blu-ray. Et quand ils sont sortis en Blu-ray, c'était sans VF, parce que uniquement aux États-Unis. Donc je suis content d'avoir les films en haute qualité et avec de la VF, mais c'est surtout pour les séries, parce que pour le coup, moi je suis un vieux de la vieille, mais j'aime bien regarder les sitcoms Disney Channel, et là on se fait toutes les séries avec Laurent, on se fait un épisode le soir en mangeant, et on découvre des séries qu'on n'avait pas vues, parce que sur Disney Channel c'était, ou Disney XD, c'était compliqué de voir, en plus pour les voir dans l'ordre, donc on faisait que picorer, et là on a l'intégrale totale, c'est le pied. On s'est fait aussi quelques dramas, on s'est fait l'intégrale d'Agent Shield, dont la saison 6 et 7 avait VF, qu'on a pu se voir justement grâce au VPN en Angleterre, puisqu'ils y sont. Et donc voilà, niveau série, moi je prends mon pied, donc c'est clairement une bonne chose. Après Star, je suis content qu'il arrive, mais comme je suis moins contenu adulte, c'est pas quelque chose qui me plaît, hein, ou mis à part quelques sitcoms, je pense que je me ferai How I Met Your Mother, je risque de me faire l'intégrale. Bon choix.
Mais c'est voilà, c'est quelque chose qui est vraiment passionnant à suivre, surtout que bah, quand on voit comment Disney+, grâce à la pandémie, a permis à Disney de rester à flot, parce que mine de rien, il faut se rendre compte qu'elle n'a plus les parcs, elle n'a plus le cinéma. Donc au début de la pandémie, le cours de bourse s'était effondré, et là, je crois qu'elle a atteint des sommets qu'elle n'avait jamais eus, donc... Je pense que pour elle, c'est vraiment le succès surprise qui s'attendait pas, en fait. Et enfin, David, Disney+, pour toi, est-ce que c'est un service à la hauteur de sa compagnie ? Bah, écoute, oui. Depuis que je suis petit, et vraiment, je le disais vraiment, moi, mon rêve, c'était d'avoir tous les Disney à disposition, d'avoir à la limite une télé portable ou j'en sais rien, quelque chose comme ça, qui me permettait d'avoir toutes mes cassettes avec moi, etc. Donc là, j'ai ça en mieux, puisque la télé portable, c'est devenu mon téléphone. Je peux me connecter en vacances sur des téléviseurs de ma famille ou des amis. Et surtout, j'ai accès en très bonne qualité, jusqu'à la 4K, à des contenus qui étaient très difficiles d'accès auparavant. Puisque même si je suis grand collectionneur des films Disney comme Franck, j'ai vu la majorité des films, mais j'arrive quand même à découvrir plein de choses. Alors déjà, il y a le rachat de 20th Century Studios qui aide, puisque je n'ai pas vu beaucoup de films de ce studio-là. Et voilà, quoi, c'est vraiment les séries, comme disait Franck. Et c'est quand même un plaisir de pouvoir y accéder de temps en temps. Là, je regarde la nouvelle bande à Pixou, qui a tellement été louée par tout le monde. Donc, du coup, je peux la regarder. Alors qu'à l'époque où Disney Channel, ou Disney XD, je sais plus, j'essaye même plus. Oui, j'étais dans le même cas que toi. Oui, voilà. Là, ça me donne envie de regarder, en fait. Avant, ça passait comme ça. Même une série. Comme Anna Montana, la seule raison pour laquelle je l'ai regardé, c'est parce qu'elle est sortie en DVD, mais je ne l'ai pas regardé sur Disney Channel, en fait. Là, on m'a enlevé toutes les contraintes pour profiter du catalogue de Disney. Et clairement, ils sont à la hauteur. Je pensais qu'ils n'allaient pas l'être sur le moins familial, et en fait, ils ont annoncé exactement tout ce que je voulais. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais que ce soit la même plateforme, je voulais que ce soit intégré à Disney+, pas de plateforme annexe, pas de truc où il faut passer d'un truc à l'autre avec des codes. Non, vraiment, à part le premier jour où je vais devoir valider le fait que je vois les contenus à Disney, je vais tout avoir. Les films Deadpool et Logan seront dans les Marvel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, vraiment, j'ai tout Disney à disposition, sans contrainte, peu importe les âges. Voilà, si je veux voir Starship Trooper, donc voilà. Bon, c'est un peu bizarre de se terminer sur ce film-là, mais bon, peu importe. C'est que voilà, enfin, je peux vraiment. Voilà, voilà. On va dire si je veux finir sur le cercle des poètes disparus. Voilà, le cercle des poètes disparus. Ou tout simplement, si je veux voir en vacances chez ma sœur qui n'a jamais vu aller Dingo et Max, Disney Plus, on le regarde, on se fait une soirée sympa et ce sera en très bonne qualité. Enfin, voilà, c'est super quoi. Alors qu'avant, il aurait fallu que je prévoie de prendre le DVD. Ben, bon, bref. Je te promets, on l'attend quand même celle-là. Aussi, oui, c'est vrai, bien sûr. N'oublions pas l'arrivée de Je te promets sur. Bah, pour les contenus français, ça m'intéresse moins parce que je suis moins friand de contenus français, mais je suis très content que ça arrive. J'ai l'impression qu'ils ont quand même, qu'ils font quand même des bons choix, des films familiaux comme Japlou, qui est un film de sport que Disney aurait pu produire finalement, et The Artist, qui est un très très bon film, qui a gagné l'Oscar du meilleur film, et que Disney aurait certainement sorti, puisque c'est les Weinstein qui s'en sont occupés, s'il n'y avait pas eu toute la revente, etc., etc. Donc on est quand même sur des choses vraiment qualitatives quand même, et ça me fait plaisir, pour les gens qui vont pouvoir les regarder. Merci à tous les trois pour cette discussion. Grâce à vous, je pense qu'on a appris plein de choses sur Disney+. Quant à vous, chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Des excuses aussi par avance. Cet enregistrement ayant été réalisé à distance, nous nous excusons pour les désagréments techniques subis lors de l'enregistrement. Vous pouvez nous lire partout sur notre site amiral, chroniquedisney.fr, mais aussi sur le forum disneycentralplaza.com, sur Facebook, Twitter et Instagram, @chroniquedisney. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sur les réseaux sociaux et surtout à le partager et à vous abonner. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle écoute. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Salut. Merci Nathan, à bientôt. Salut. Au revoir.